Hey, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Evil Within où on avait tué l'homme avec la tête de boîte. Et il me semble... Ouais, il me semble qu'en fait c'est un... Il me semble qu'en fait c'est la fin du chapitre, que c'est le boss de fin. Je voulais juste voir si j'avais pas oublié des trucs dans la précipitation. Je sais pas si je peux retourner en arrière. Ah bah non, là il y a une porte énorme. Et donc voilà, donc on devait aller je sais pas trop où. Je vais faire un tour par là-bas avant. Je sais pas quel est le vrai côté. J'ai bien l'impression que c'est là. J'ai envie de tout explorer, monsieur. Parce que j'ai quand même un peu zéro munitions. Genre, mais vraiment zéro de chez zéro. Donc par là, est-ce qu'il y a quelque chose? Ah voilà. Ah on est là où le chemin de... Là où Leslie était sortie en fait. Ouais j'ai gagné 800, bah voilà ça valait le coup. Il y a un mur invisible, je ne peux pas tomber monsieur. Bon voilà. On peut continuer. Regardez-moi ces magnifiques cascades. Cette magnifique vue. Ce magnifique éclairage. Bon, je ne voudrais pas de monstre s'il vous plaît. Enfin je voudrais pas de monstre. Je ne voudrais pas... Voilà. Je dis n'importe quoi, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Bon bah là il y a une magnifique échelle. Que l'on va descendre. Regardez-moi cette magnifique texture de... Eh oui c'est la fin du chapitre. Sauvegarder vite fait, chapitre suivant. Du coup on continue. Non c'est la fin de cet épisode. Je rigole. Quel humour décapant. Du coup je sais pas où je vais. Je suis toujours Leslie et j'essaie toujours de retrouver Killman. Killman. J'ai descendu une échelle de 8 km. J'ai pas de balles. Il y a des monstres. Les germes, chapitre 8. Les germes du mal. Caro Harponneur, ouais. Ouais. Carreau explosif, ouais. J'ai des balles. Full senti normal. Enfin, j'ai des harpons, quoi. Normal. Il pleut. Là-bas, il y a un bonhomme qui vient par là. S'il vous plaît, des munitions. Oh, oui. Oh. Des munitions. On me donne des munitions. Le gars il a rien eu quoi. Oh comment je l'ai tué par le bras. Mort par bras. Mais il bouge à chaque fois. Genre l'autre il meurt d'un coup dans le bras et... Oh mince j'ai tiré un truc explosif. Monsieur. C'est trop injuste. Ouais j'ai deux balles. C'est trop cool, on va aller trop loin avec deux balles. Les deux balles de la mort. Il y en a encore un, quoi. A pu. Le mec a disparu mystérieusement. Dans tout et n'importe quoi. Eh, mais ils sont où ceux que j'ai tués? Genre leur cadavre a déjà disparu. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, il est là. Voilà un. J'arrive pas à trouver le deuxième gars que j'ai tué. Oh genre il est pas mort, il s'attendait. Il attendait que j'arrive. Mais on nous remet deux monstres monsieur quoi. Ah oh, mais c'est trop injuste. Ouais j'aimerais bien des balles quoi. C'est pas du luxe. Bon je fais quoi, je passe vraiment par là. Ah, j'ai éclaté le mec, ok. Non mais je veux casser ça. Non, on va passer en dessous, voilà. C'est bien. C'est bien. Tu es intelligent, Sébastien. Par contre, j'ai 6 balles. J'ai 6 balles et il y a 2 mecs. Et voilà, je n'ai plus de balles. Enfin si,
2. On était même pas mort. On retrouve Dead Space quand on finit les mecs comme ça. Boum. Allez, va te coucher. Ici, qu'est-ce que c'est? Ouais, 2 balles de shotgun. J'en ai marre. J'ai envie d'avoir plein de balles, s'il vous plaît. J'ai envie d'avoir tellement de balles que je ne saurais plus quoi en faire, mais ça n'arrive pas. Ça fait très longtemps que j'ai pas été dans le miroir, tout ça. 10 ans plus tard. Toujours pas. Voilà. Oh, regardez. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Une clé. Et ouais, la grosse clé. On sait pas qui les a mises là. Tu brûles là. Y'a un truc qui s'est cassé là plus loin. J'ai pas confiance. Mais qu'est-ce que c'est de ce niveau? Mais pourquoi Kinman serait venu ici quoi? Vois rien du tout. Y'a des stalagmites. Y'a des stalactites. J'ai pas de sniper. Puis-je pas récupérer les harpons pour mon usage personnel? Ah bah j'ai bien que si en fait. Attention, attention! Oups, punaise. J'aimerais bien essayer de casser ça sans tomber dans le vide, s'il vous plaît. J'ai dit sans tomber dans le vide. Ah, j'ai un truc de snipe. J'ai un fusil de sniper. Je repère où il est. Je ne sais pas du tout où il est. Non, non, c'est un piège. C'est un truc automatisé, c'est une bande. Du coup, je suis obligé de passer en fait. À couvert. Voilà, et là je passe. Tout doucement. Et voilà, on peut rallumer la lumière. Du coup, je pensais que j'étais plus furtif sans, mais ça change rien. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Faut vraiment que je me mette là-dedans, là. Franchir. Ah. Avance, bah oui. Je vais pas m'arrêter en plein milieu. Non, je vais arrêter le jeu, là. Je suis tellement bien entre ces parois. Point de contrôle. C'est un peu trop calme comme niveau quand même. Hein. Utilisez. Courbe d'activité cérébrale absurde. Observée chez les patients 25 et 33. Et aussi chez le 55. L'unique facteur commun est un antécédent de troubles dissociatifs de l'identité. D'autres expériences sur le cortex préfrontal avaient causé une dégradation du sentiment identitaire, mais cette fois les résultats sont surprenants. Les pensées suicidaires des personnalités secondaires deviennent des attaques contre la personnalité principale. Quand la conscience de soi diminue, une forme de stase apparaît. Comme deux créatures siamoises contraintes de vivre ensemble. Dans une haine éternelle de l'autre. Je ne finis jamais mes phrases. Délicieux. C'est magnifique. J'aime ça. C'est trop beau. J'ai pas envie d'ouvrir cette porte. J'ai envie d'explorer avant. Genre voilà, pour trouver des munitions, vous savez. Oh. Pardon ? Savoir ce que c'était, ça. Il y avait tout un tas de trucs qui sortaient du mur, monsieur. C'était quoi ce délire? Genre des bébés zombies. Bah tiens, on en a toujours un. Oh, et puis ça saute et tout, quoi. Mon dieu, je les shoot comme des ballons. Oh, il y en a plein qui sont là. Oh mon dieu!
qu'est-ce que c'est ces trucs? Les gens d'où ils ont pas explosé? C'est malsain. Meurs. Il y en a à l'infini ou quoi? Il y en a partout. Mais mettez des tapettes à zombies, quoi. Puis ils rentrent dans les murs, tout ça. Moi, je peux plus voir ça, là. Ah, je peux simplement leur marcher dessus, en fait. Moi, je l'ai tué tout, mais ça servait à rien. Bon, bah, je suis obligé d'aller par là. J'appuie sur espace de façon répétée. Et voilà le travail. Qu'est-ce que c'est? Mais vous êtes vraiment sûr que mon personnage veut aller là-dedans? Franchement. Je n'y crois pas. Qui voudrait aller là-dedans? Les munitions, là, je les veux à tout prix. Je pourrais pas m'en empêcher. Non, ramasse. Ramasse, mais j'ai dit ramasse, mais qu'est-ce qu'il fait? À 8 km. Oh mon dieu, j'ai 8 balles! Plus 3. Changer des balles de réserve, c'est improbable. Bah, lampe à huile, on a rien à faire. Oh non, il y a encore des bébés là. En fait, je peux marcher dessus. Mais elles sautent partout, c'est terrifiant! Moi, je me barre, hein. Rien à faire. Il y a plein qui tombe du ciel. Ouch! Eh mais c'est que ça fait mal! Eh mais punaise! Je croyais qu'il était mort! Je perds bêtement de la vie, merci beaucoup, au revoir. Eh bah dis donc. Aïe! Faut courir dans le tas là, mon dieu! Mais il meurt pas lui! Mais c'est pas possible, j'arrive même pas à balancer une. Mais. What the fuck? Le mec monte sur le mur. Le mec fait un crawl en dehors de l'eau. C'est pas croyable! Putain, c'est bon, il est mort là! Putain, le gars, je suis obligé de me soigner! C'est pas ça. Ah ah, bah je peux pas. Bon bah, gros kit de soins. Je vais te droguer. Oh, je vois de travers. Je sais plus comment je m'appelle. C'est génial. J'aime la drogue. La drogue, c'est cool. Voilà, je vais mieux. Oui, bon, mais c'est bon. Attention, on va te sauter dessus. Et ouais, j'ai plus qu'une balle de shotgun. Qu'est-ce que c'est de ce niveau de malade encore, là? J'ai encore aucune balle, c'est insupportable. Les munitions. Ammunition. Point de contrôle, ouais! C'est quoi là-bas? C'est un bonhomme, non? Un bonhomme! Mon dieu, on me donne des munitions, mais quelle bonté! Mais quelle bonté! Bon, j'ai pas trouvé grand chose dans les deux caisses, hein. Ouais, mais on croirait moi. Oh non, j'hallucine totalement. C'est le début de la folie, je vois des gens qui n'existent pas et tout. C'est génial. J'avais presque vu une certaine ressemblance avec moi. Ah, je crois que le jeu essaie de me marquer que faut pas que je vive. Enfin, faut que je fasse attention. Je suis allé trop loin, c'était un piège, bien évidemment. Sophia a tout fait pour m'arrêter, mais se rapprocher de la vérité était trop tentant. J'étais si proche. J'ai remarqué un infime courant d'air passe par la fissure de cette porte, elle mène forcément vers l'extérieur. Ça sert visiblement de clé, mais dans quel sens le mettre? J'ai une chance sur deux. Je fais les 100 pas depuis des heures, incapable de faire ce choix pourtant si simple. Bon, le mec a pas réussi, quoi. Examiner. Attention, attention, on sort. Donc,
quoi, c'est le bas-relief. Et donc je dois avoir deux possibilités de le mettre. Et faut pas se tromper quoi. Bah là il y a du sang. Donc c'est que c'est forcément le mauvais côté. Parce que le bon côté, il peut pas être aspergé de sang, vous voyez. Dites-moi que j'ai réussi l'énigme, s'il vous plaît. Élémentaire, mon cher Watson! Le sang! Sans deck. Voilà, la petite blague en plus. Voilà, c'est livré gratuitement avec la résolution de l'énigme. Une petite blague, voilà. Sans deck. Une blague qui a été prononcée 20 000 fois dans ma chaîne, c'est pas grave. Une grenade. Tup, 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 tup. Ça, je le sens pas du tout, ça. Ça, je ne suis absolument pas d'accord avec ce genre de... Oh non, il y a le... Il y a la boîte du monsieur à la tête. Tiens, on est au palais mental. Non ? La vie, faut pas que je fasse demi-tour, je pense. C'est pas des bombes, ça. Non, 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 non. Bah, avançons. Ça sent le couloir infini, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un bout au moins? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, on est revenu au... Doc. Doc, qu'est-ce qui se passe ici? Genre mon mec n'est absolument pas... Je dois trouver le moyen d'inverser cela si nous voulons l'arrêter. Qui ça? Ce Ruvik? Mais qui c'est ce type? Désolé, je dois me concentrer. C'est dans votre intérêt de me dire ce qui se passe, Doc. Vous avez besoin de moi. Nous travaillons sur une méthode. Une méthode? Expliquer cela. Comme pour interconnecter les cerveaux. Mais dans quel but? Un partage total au niveau électrochimique. Émotion, mémoire, perception, mais bien plus. Instantanément. C'est révolutionnaire. Les implications psychologiques, pharmaceutiques, et sur la conscience elle-même. Mais vous délirez. C'est un cauchemar, ouais. Je n'ai jamais dit que c'était parfait. En particulier avec un hôte aussi instable. Génial. Donc votre associé est un psychopathe. Et on est tous dans sa tête. Pas tout à fait, non. Nous y contribuons tous à notre manière. On est tous connectés. Mais il est le seul à disposer d'une influence consciente. Vous le connaissez bien. Qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, ce n'est qu'une théorie, mais... Se venger. Qu'il veut notre mort. Et pourquoi? Le cerveau! Point de contrôle, on va arrêter cet épisode-là. Docteur? Tout a disparu. Voilà, c'est une nouvelle société écran, on arrive et il n'y a déjà plus rien. Ah là là, donc les gens, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et ben à plus!